Sur les réseaux sociaux, il circule un grand rumeur. On ne sait pas si c'est un rumeur ou c'est quelque chose qui est en train d'être réalisé en Ouganda, où le gouvernement congolais a envoyé une délégation de 3-4 personnes pour aller négocier avec le M23. Est-ce une rumeur? Parce que Kinshasa a catégoriquement refusé. C'est lui qui est là, nous le connaissons bien, c'est celui qui a été nommé à la tête du PPDDRCS. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live, Réflexion. Réflexion, c'est une tranche de Contact Pro Live où nous réfléchissons sur les actualités, nous réfléchissons sur la solution globale qui peut être appliquée en République démocratique du Congo. Donc, merci en tout cas pour tous ceux qui sont en train de se joindre à cette chaîne qui devient de plus en plus une chaîne populaire parce que, en regardant les adhésions massives que vous êtes en train de venir, ça montre à grande échelle que ce que nous donnons comme réflexion ici trouve quelque chose dans vos cœurs ou vous les prenez à cœur et ça a un sens pour la résolution de notre pays. Alors, aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons parler de cette négociation qu'a entamée la République démocratique du Congo. Est-ce une négociation qui peut résoudre le problème en République démocratique du Congo? Est-ce que c'est un coup de paix dans l'eau, comme on dit? Nous sommes en train de nous poser comme question, comme tout le monde, si cette histoire était une histoire vraie ou c'est une histoire bâclée ou bien c'est pratiquement des rumeurs qui circulent sur les réseaux. Mais nous allons en parler et nous allons donner notre point de vue dans le cadre où nous avions déjà proposé une certaine négociation et il y a une façon de négocier que nous pensons qui peut sauver notre pays. Cette négociation-là est inclue dans ce que nous appelons le programme des 145 territoires, de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Alors, aujourd'hui, nous allons donc faire ce parallélisme et comment est-ce que le président de la République, si c'est vrai qu'il a envoyé cette délégation-là, ou bien c'est parce que nous ne pouvons pas dire que Abe Bahala a pris de sa propre initiative aller à Kampala. Et il y a aussi une lettre qui circule dans cette lettre-là qui paraît comme un ordre de mission. Alors, nous allons tourner tout autour de ce sujet-là. Donc, merci en tout cas pour nous avoir encore rejoints. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour notre chaîne. Merci en tout cas, nous sommes vraiment très reconnaissants. Alors, comme toujours, nous allons prendre les grands titres à la une de l'actualité, les grands titres dans les journaux qui paraissent ce matin sur Internet, et puis nous revenons tout de suite avec le développement de ce sujet ici, la négociation de Kampala S1. Un bouée de sauvetage pour Félix Tshisekedi. Voilà, on revient tout de suite. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. RDC, Constant Mutamba, les soignants de la justice malade ou l'incarnation du populisme. Ça, c'est terrible. La RDC, toujours, nous allons toujours avec électionnet.net. L'unique solution pour mettre fin à la guerre à l'Est, vous allez le lire là-bas. Et puis, société RDC, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, traduite en justice. On va sur actualité.cd. Assainissement et mobilité urbaine à Kinshasa, Daniel Bumba en discussion avec l'ambassadeur de Turquie en RDC. Et puis, affaire Moukébaï, les avocats soulèvent l'exception d'incompétence de la cour d'appel et d'autres moyens pour de procédure. Et puis, RDC Justice M23 annonce d'un procès contre Corneille Nangaa et ses complices, notamment pour des activités terroristes. Congo profond, affaire Forage, le gouverneur de la BCC Malangu Kabedi, traduit en justice.
Congo Airways, plusieurs vols annulés, passagers laissés en plan, les partenaires bulgares a-t-il plié bagages? Nord Kivu, les agents du PDDRCS, Boutembo Lubero acquise 22 mois d'arriéré de salaire. 7 sur 7 avant de terminer, conditions carcérales à Makala, les prisonniers mangent 2 à 3 fois par jour. Ça c'est Constant Mutamba qui le dit. Et puis un procès coup d'état, le tribunal promet de faire comparaître les policiers commis à la gare de Kamere qui se sont affrontés avec les hommes de Malanga. Et puis paye des enseignants policiers et militaires à députer depuis le 18 juillet. On termine par Radio Okapi, embouteillage et route délabrée, le calvaire du déplacement à Kinshasa n'épargne aucune commune. Avec installation des concasseurs, le travaux de l'asphaltage de la voirie urbaine de Kananga sont imminents. Chopo pour terminer la route Kisangani-Ubundu devenue impraticable, les biens de première se fait rare à Ubundu. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, donc merci. En tout cas, vous voyez, pratiquement, nous avons fait un aperçu des journaux, des grands journaux qui paraissent sur Internet. Cette information-là, c'est vraiment une information à prendre avec beaucoup de pincettes. Vous savez bien que les réseaux sociaux propagent souvent peut-être des balivernes ou quoi que ce soit. Mais ce sont des choses vraies parce que dès que cette information-là, je peux le dire information, cette nouvelle-là est tombée sur les réseaux sociaux. Nous avons vu Twitter s'enflammer, donc X s'enflammer avec beaucoup de gens qui ont fait l'espèce. Beaucoup de gens en ont parlé. Tout le monde est parti dans tous les sens en disant « Voilà Tshisekedi qui commence à négocier, voilà Tshisekedi fléchit. » Et donc, ça fait ditoler. Et moi, je me suis dit « Je vais vous remettre sur ce que j'ai dit toujours ici. » Ceux qui me suivent dans tous les temps, ils m'ont dit, ils savent ma position sur ce sujet-là. Ma position est quoi, mes chers amis? Ma position est que nous ne voulons pas à ce que ces négociations-là puissent aller dans le sens dont ils sont en train d'aller. C'est-à-dire quoi? Les négociations directes et avec les Rwandais et avec M23 ou quel que soit d'autres groupes armés, nous ne voulons pas. Cette voie-là n'a pas pratiquement donné du fruit. Ça ne nous a avancé en aucun iota dans la démarche de la paix et de tout ce que nous faisons comme démocratie en République démocratique du Congo. Mes chers amis, est-ce que vous pouvez un peu essayer un peu de me donner cette opportunité de terminer cette émission parce que je suis en pleine émission. Est-ce que vous pouvez stopper un peu de nous appeler? Voilà. Donc, nous sommes contre toute négociation. Allant dans ce dire en doux, venez, vous êtes ceux qui ont pris les armes, venez ici, nous allons négocier. Cette négociation-là, ici, dans notre réflexion, nous sommes contre cette forme de négociation. Et c'est une grosse erreur déjà d'entrée de jeu quand je parle que si Félix Tshisekedi a décidé à envoyer l'abbé Baala à aller converser avec le M23. Je vais vous dire ce qui va arriver. Le M23 va durcir la position. Il va encore donner la même réponse que les ministres ont eu à Zanzibar. Tout ça, nous le détenons dans les réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas dit que je ne peux pas vous donner les sources. Mes sources, ce sont les réseaux sociaux que je vous donne. Ici, à Contact Pro Live, nous ne faisons que des analyses. Les analyses, quoi? Ce sont les analyses sur l'actualité et les analyses sur le chemin que nous pensons qui peut être le bon chemin pour que nous puissions parvenir à résoudre cette question de l'Est de la République démocratique du Congo. Parce que la question de l'Est, ce n'est pas simplement à l'Est. C'est une question qui est pratiquement générale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Vous partez de Mobayimbongo à Kasumbalesa et de Bukavu à Matadi. C'est un problème global de la République démocratique du Congo. Et on ne peut pas y aller séparément en disant que nous allons causer avec Nanga.
Et ceux qui sont maintenant au bas où elle est, est-ce que c'est ce problème-là que vous allez résoudre là, qui sera résolu à Kinshasa? Est-ce que c'est ce problème-là qui sera résolu à Mbujimayi? Nous sommes en train de nous tromper sur le cible de notre ennemi. Qui est cet ennemi? Avec qui nous pouvons causer pour que nous puissions trouver une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo? Déjà, la communauté internationale, Nanga, et tout le monde, ont dit que ce n'est pas par les armes que nous développerons ce Congo où nous aurons la paix. La MONUSCO l'a bien dit, nous ne terminerons pas cette guerre-là par les armes. Et ça fait plus d'une année que nous sommes en train de dire ça. Ça fait plus d'une année que nous sommes en train de crier ici, de chanter en disant « Please, Fachito Bandela zéro ». Ces gars-là, si vous allez négocier avec eux, ils vont durcir leur position. Yangona bande kolobana lobi position oba pesa ki ba ministre kuna, c'est la même qui lui claire seront données à Kampala. Si vous y allez tête à tête, on va vous demander monsieur Félix Tshisekedi de démissionner. Maintenant, après la démission, c'est quoi? Si vous allez là-bas, ça sera quelque chose comme de partage de pouvoir et ils sont en position de force de vous mater. Réfléchissons, mes chers amis, ils sont en position de force et nous crions ici tous les jours. Tant que nous sommes en train de nous entêter, et de croire que nous allons nous battre avec cette rébellion-là, nous sommes en train de creuser notre propre tombe. Pas le peuple congolais, mais Félix Tshisekedi est en train de creuser sa propre tombe. Félix, s'il attend les voix de ces extrémistes en disant que non, nous allons aller avec la guerre, nous allons faire ceci, c'est une fausse idéologie, ça n'ira pas dans le cadre où nous sommes. Nous devons être réalistes. Félix Tshisekedi sait très bien qu'il n'a pas une bonne armée. Il sait très bien qu'il a une armée qui est infiltrée par ces mêmes individus qui sont en train de nous attaquer. Il sait bien que l'armée n'est pas organisée, l'armée n'est pas disciplinée. Nous ne pouvons pas vaincre une guerre. Sinon, nous allions le faire depuis longtemps. Mais les gens se posent la question, oh non, le FARDC avait terminé la guerre en 2013 avec le M23. Non, est-ce que vous savez ce qui était là? Comment est-ce que cette guerre a été terminée? C'était par une négociation qu'on a formalisée en disant que nous avons chassé le M23. Nous connaissons. Après toutes les négociations, les gens qui venaient de l'Europe pour à Goma et toutes ces négociations, même à Panzi, pour défaire le M23, Kabila a dû faire quelque chose. Il a eu une certaine diplomatie pour qu'il puisse avoir cette victoire militaire sur le terrain. Et on a dit que non, il fallait donner cette forme-là à une victoire militaire pour que les gens, pour que Kabila soit crédibilisé, que cette armée-là soit crédibilisée. Ce n'était pas que non, le FARDC avait vraiment fait face à face avec cette armée-là disciplinée et équipée. Maintenant, tous les équipements que nous sommes en train de chercher, d'acheter, de donner au FARDC, ça passe de l'autre côté. Ça passe dans cette rébellion-là. Nous avions vu maintenant que petit à petit, que nous sommes en train de nous entêter, les gens qui résistaient commencent un peu à perdre patience. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le FARDC n'étant pas organisé, le FARDC ne sachant pas comment gérer cette armée-là, les gens commencent, même ceux qui supportent, on parle ici de Wazalendo, tous ces groupes armés qui sont aux côtés de FARDC, c'est des courage. Pourquoi? Parce que le FARDC est entre, Félix Tshisekedi est entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, d'autre part, on lui parle de forces négatives. On lui parle de forces négatives qu'il est en train d'utiliser pour combattre. Ces forces négatives sont un danger pour les Rwandais. C'est pour cela que les Rwandais se disent, nous avons raison de supporter le M23. Pourquoi? Parce que les ennemis que le FARDC héberge peuvent venir nous... C'est une probabilité à ceux qui puissent venir nous déranger un jour chez nous.
Voilà ce qui se passe. Et avec un simple langage comme ça, le Rwanda a raison sur le plan international. Et là, nous perdons. Et là, nous sommes pratiquement à côté, nous perdons. Il n'y a même pas à discuter, nous perdons sur ce point-là. Et le Rwanda a de preuves que les FDLR sont en train d'être utilisés dans le FARDC. Et pourquoi ça, je vais vous dire une chose. Vous savez, quand vous avez déjà été mordu par un serpent, même comment on appelle ça, les nyongololo là, vous fait peur, Bandeko. Kagame a l'expérience et il sait comment il est arrivé au pouvoir. Et il a peur que ceci ne puisse lui arriver. C'est-à-dire quoi? Ils étaient dans l'armée ougandaise. C'est là où ils ont préparé leur révolution pour venir au Rwanda. Ils étaient considérés comme des militaires ougandais. Ils ont préparé cette révolution-là dans l'armée ougandaise. C'est comme ça qu'ils ont pu venir envahir le Rwanda. Et un jeu d'enfant, parce qu'ils avaient déjà, c'était l'armée ougandaise qui a envahi le Rwanda. Et il a peur que ce même personne-là, insinué dans le FARDC, puisse un jour se détourner en disant s'il y a une petite rébellion et que cette armée congolaise, fortement organisée, qui héberge les FDLR, pourront un jour aller le renverser. C'est ça le vrai motif pour ceux qui pensent que non. Oh, mais Kagame likamuni n'angona Congo boy. Pour Kagame angoba Rwanda ndeyani ni bazana. Voilà la vraie raison batwebele baye bakayangote. Rwanda sokeze pa na biso bazako banga ke bande kona bango o bazana kati armée na biso o bazako benga bango ba FDLR. Bazana kati armée na biso. Bah, oh, baza ba génocidaire à Kalao, tout ça, ba Rwanda, wana, qu'importe, baza la ba génocidaire ou quoi, ça ne nous importe peu. Mais ces éléments-là, beaucoup d'entre eux sont dans notre armée. Baza na kati armée na biso, et c'est prouvé. Yangwana Kagame a banga kalobi, batwana baza ba Rwanda, baza na kati armée ya congolaise, et baza mouna na neti ba congolais. Mais jour li kambou moko ba ko s'organiser, parce que imagine-toi, Kagame, révolution en Batoussi, et après une affaire de 30 ans, 40 ans. Bah, depuis 58, tant que Bazala a chassé. Donc, Bazako évite que Rouana ait tourné les sous-sous. Baba kende ko attaquer Bango. Est-ce que c'est une solution pour le Rwanda? Ça ne nous regarde pas. Notre problème, c'est notre République démocratique du Congo. Et là, quand on a un problème, nos problèmes au Kagame, Azepanabiso, c'est ça la source. Batouane, effectivement, Bazana Kati Armenabiso. Biso Moko te reconnaîtra que non, nous sommes infiltrés par les Rwandais. Mais comment tu as dit ça pour la Tobi Misabango? Ça, tu sais que n'a jamais donné une solution. Kabila aussi n'a jamais donné une solution. Mais Nasuka, il y a 2000 autant ou de Faki, Basalaki M23, de faire M23, dans 2013, Kabila a pu maîtriser. Et mais, attention, Kabila et Kagame étaient à couteau tiré. Ils n'ont jamais mis dans le même longueur d'onde. Pourquoi? Parce que Kagame soupçonnait toujours que ces éléments-là de FDLR continuaient à être chez nous. Mais si Tokoye Babango Nengenini, c'est ça le problème. Nous allons terminer ça comment? Bandeko, on est à chapitre Moussousou Toko Fungola Kango jour Moussousou. Mais le problème que nous avons aujourd'hui de l'actualité, c'est que ces négociations-là n'aboutiront à rien. Nous continuons à les dire. Félix, c'est une grosse erreur d'aller négocier avec les terroristes. Les gens dont tu as qualifié de terroristes, c'est une grosse erreur. Ils vont encore peser. Ils vont augmenter les enchères.
Comment est-ce que n'habite ce qui est solo, mais nous apprenons ça dans les réseaux sociaux que à Zanzibar on vous a envoyé un message en disant que il faut démissionner. Mais maintenant nous nous trouvons au bout du chemin, ce qu'on démissionne, ndengenini. Comment ça sera? Quelle est la configuration? Vous voyez comment Ozako Tchabiso n'a pas de situation difficile. Ozo Tchabiso n'a pas de situation difficile. Tout Congolais commence à se poser la question. Tozo kende wapi finalement mboka oyo. Toko kiko go gagne guerre ote. Malgré mangungu oto lo baka Congo far de se lo kwa makasli. Nini bo. Congolais libwa ba munoko l'équipe so makasi, mais sur le plan du terrain basi ba comprenant biso ke batwana bazakaka balobala olobalo bakaka, on nous a déjà compris ba comprenant biso, et nous devons faire quelque chose. C'est quoi ce que nous devons faire, les amis? Ici nous sommes en train de faire la promotion d'une solution globale de la République démocratique du Congo, et beaucoup de partis politiques n'en ont pas eu. Nous avions proposé ce plan depuis en 2019, en proposant à Félix Tshisekedi en disant c'est le moment avec un Congolais à la tête de notre pays, soi-disant, parce que Nous disions que non, nous avions un étranger à la tête de notre pays, c'est pour cela que nous souffrions. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est que nous n'avions pas encore touché à la solution qui nous met à genoux en République de nos... Disons, au problème. Nous n'avions jamais trouvé la solution à ce problème qui nous met à genoux. Et ce problème-là, c'est quoi? Les Congolais ne l'ont jamais trouvé. C'est cette division. C'est cette... forme de l'État qui n'existe pas. L'État n'existe pas en République démocratique du Congo. Moi, je peux dire que Kabila n'a jamais réussi à mettre tous ensemble. Il n'a jamais réussi à nous mettre ensemble, à raccorder le pays. Même pendant les 18 ans de son règne, on s'est recherché, on n'a pas trouvé le chemin, ce qui nous mène à la solution, non. Mais la solution, nous l'avons entre nos mains, s'il vous plaît, mes chers amis. Mikolonyo Sotoganga Kayango Awa, la solution est entre nos mains. Quelle est la solution? D'abord, il faut que nous puissions dégager le problème Eza Wapi pour que nous puissions commencer à penser à la solution. Le problème, c'est la structure de notre pays. Le problème, c'est l'application des textes de notre pays. L'application de la constitution, nous ne les respectons pas. C'est ça qui nous divise. Et ça, que, conséquence, n'avoir pas appliqué une bonne application des textes, tout réalisé en gros sur terrain. Et ça, qu'au ben de l'abisso, malversation financière, qui moïbie koti, tozo tongambo kanabiso te, tozo inambo kanabiso, jusqu'à ce que le président lui-même dit que non, mboka si koufakala. Pourquoi? Parce que le pays n'est pas géré. Nous ne sommes pas en mesure de gérer ce pays. C'est la gestion de ce pays qui fait problème. D'autres personnes disent que non, Germain, tu es à côté, la gestion est bonne. Mais si la gestion était bonne, est-ce que Batoubakoki Koiba Kamababambo, on est basa Koiba Wana? Imagine-toi un projet d'un barrage au Kassai qui a commencé depuis 10 ans, 15 ans, à temps avancement, Moko Ezate.
Mes chers amis, imagine-toi par exemple les gens qui ont l'argent. Besoin qu'on somme la bise au biloko, c'est à train à Koloba. Et puis vous allez inaugurer ça en prompt, avec beaucoup de publicité que notre zui très à la cao et Afrique du Sud. Vous savez, vous connaissez de ce dont je parle ici. Batubatindi bangoba kende kosomba biloko asika, bake kosomba biloko akala. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu en République démocratique du Congo? Voilà le problème. Voilà le problème que nous sommes en face et que nous devons avoir des solutions. Mais gestion, détournement. Les gens ne savent pas où mettre le pied. Et tout ça, c'est quoi? C'est parce que nous avons à la tête des gens qui sont inconscients, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas ce qu'il faut faire de ce pays. Et le voisin, quand il en profite, nous commençons à se dire que non. C'est de notre faute. Et ça faute, Nabiso. Le développement de notre pays ne viendra pas de l'Europe. Mikolonyon sotozaka kako kende koluka kabambongo à côté oba mbongo kuna oba tinda kipte oba sala kiboye nous négocions avec FMI tout ça et nous négligeons ce de quoi nous sommes sur lesquels nous sommes assis. Ba matière première na biso to sito teka yango kala mboka na biso to kokoma voilà le problème. Avant Koloba, Kagame, Azako, envahir, Bissot, tout ça, M23. Cherchons le problème. Le problème est à Wapi, Bande Konangai. Le problème se trouve où? Et si nous n'avons pas encore trouvé le problème, nous ne trouverons non plus la solution. C'est tout à fait normal. C'est comme ça que nous allons y aller par tâtonnement. Allons négocier avec les M23. Parce que le peuple a crié ici. Et même ça, au sein même de votre parti, vous voyez à quel niveau nous sommes tombés trop bas. Ne pas être à mesure de nous trouver une solution à nous-mêmes. Mes chers amis, voilà ce que je vais vous dire. Je vous ai peint vraiment la situation qui nous pousse effectivement à réfléchir ici à Contact Pro Live. Bisso a aussi côté Zolo Banini. Au vie et au ndenge toza komona makambo biso tokanisi ke tozongisa bokonzi na peuple yemoko na niveau ya ba territoire d'abord. Voilà le principe de base. Pourquoi na niveau ya ba territoire? Le peuple congolais doit prendre conscience que mabele o eza ya bango et nous devons le faire par les actes. Solution na biso a to bandai koloba Félix please to bande la zéro mais to kokoma wana ndenge nini? Nous allons y arriver par à poser les actes de responsabilité. Ces actes de responsabilité ni koloba nini et lingi koyebisa congolais que soki po oyo ebukani soki nzela oyo etongami te koya kotuna Kinshasa te ezali yo congolais nde mutifosala yango.
okosala yango na mbongo nini, okosala yango na nkita na yo. Nous devons apprendre les Congolais à travailler. Il faut Congolais à sala musala. Il faut Congolais à zala ensemble. Ba sala bato. Ba yebana. Et koyebana en République démocratique du Congo, c'est impossible. Nathan Gualelo. Mais nous avons un avantage. Nous avons la technologie. Et là, comment on peut faire tout ça là? Nous avions demandé au président de la République de proclamer la 4e République. Yakoloba Bandeko, Mabe si eleki mingi. Recherchons d'abord à parler à nous-mêmes. Biso mokoto solo la biso ba congolais. Li solo oyo to komemango ka na Kinshasa te, il faut li solo to banango na base. C'est par là que nous nous sommes dit la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Il faut que bituka nyoso 145 territoires wana batukuna na kati ba solo la ba solo la na wabiloko mi balé. Constitution ya sika po na mboka ya sika, la 4e République. Yali yami balé koyebana. Donc recensement na na identification ya Congolais na kati ya ba territoire. Et ko sale makaka kuna. Que chaque territoire ait les responsabilités. Ya ko sala biloko wana. Et nous avions demandé, ba mutu moko aposa kanga question à lobi, mais mbongo ko uta wapi. Nous avions, c'est par là que nous avions commencé à dire que non. Nous pouvons donner à chaque province une affaire de 10 millions d'organiser ces conférences-là. Mbongo neza ko kende ko futa batute non ezalaka mbo ezala mbongo ya ko organiser ba conférence on a pour que les gens puissent être ensemble. 300 personnes na kati ya ba territoire, nous aurons une affaire à plus de combien de milliers de personnes sur toute l'étendue de la République qui sont en train de réfléchir sur une nouvelle constitution, qui sont en train de s'identifier. Voilà là où nous pouvons mettre la base. Base na biso place wana nde fallait to tia yango. Ainsi, les deux points là, nous allons leur donner par exemple, tolobi 3 mois o ezaliko sala ke bino bosolo la. Soki bosolo li bozui compromis bo tia yango na mokoloto, mokoloto ba tribi pour appartenir à cette nation à koloba biso awa na territoire na biso. Tolingi susu kolta na biso bima awa te. Je donne un exemple. Tolingi lisusu boete gestion ya awa il faut za la boe. Batu nini yango bazalaka awa biso toyebi ke tozalaka awa. Biso nde bakolo lopango awa. Lopango na biso za o toyebi bana na biso na kati ya biso. Bana na biso tozwi nani wana nyoso to tiango na province. Soki toke nango na province, ba province bazana na ba province muso ezana 3 na 6 5 territoires basangisani yango ba solution wana tozolo ba pona constitution asika wana za point liboso ba harmoniser ba texte ba lobby awa biso na province awa tozana 5 territoires na kati ya 5 territoires tozwa ki a peu près 30 personnes na kati ya ba territoire to harmoniser ba texte tozwi texte moko auto lobby ke oyo ya république ya sika otoza ko proposé. Ainsi les 26 provinces ba kotinda siko ba tumsusu na assemblée nationale pour na ko harmoniser ba point de vue ya république mobimba. C'est par là que nous pourrons maintenant aller dans les référendums ya ko faire passer la première la constitution ya sika. Entre-temps, batoua batika la ki na province, na territoire, baza ko continue ko sa la identification, ba ko pesa batou nyonso, ba numéro d'identification. C'est par là que nous devons commencer. Et lorsque nous serons identifiés, ba bilo ko na moussousse ko si la nango. Et la gestion de notre pays sera maintenant bien et ko sa la siko yo. Bat peuple aza regardant, peuple a yebi système ni nango toza ko leke la. Et on pourra prendre ça à partir de là. Mais oh, toza ko sala awa. Toko ken. Si ko mutu moko ayebi singa lobino. Mais si ko eza na relation nini na makambo ya M23. Tango, chema ya ba état de lié, ya ba réunion wana. Eza ko renvoye ba tous les politiciens. Dans l'air na bituka na bango. C'est ainsi que na ba province oyo.
Batuba Simba Mandoki, qu'est-ce que nous allons faire? Ces gens-là devront venir participer na ba masolo ya ba territoire parce qu'ils se disent que biso toza bana na bino. Na kati ya territoire na bino bo kende bo solo la bo pesa makanisi na bino po na Congo ya sika. C'est par là qu'on devrait faire une masolo na kati ya batu ya M23. Na batu ya Kodeko kuna na ba batu ya Mobondo na kote ya Bandundu par-ci par-là. Tous ces gens-là dans leur territoire, balobi abino boza na territoire ni. Obiso toza na territoire ya Yumbi. Yumbi e boza ba Mobondo. Ok, bo ya ko sa registre mouto ako sa la bino eloko mon kote. Batu oyo, place par exemple tozolo ba na Baruchuru. Je vais expliquer ça dans une autre émission. Ne manquez pas cette émission. Una live o toza ko sa la. Parce que na nina siri sa oyo awa. Les gens devront aller dans cette, dans leur territoire pour s'identifier comme Congolais. Pour la deuxième répit, ils ont un mandature OOT. Parce que nous sommes en train de préparer un nouveau Congo. Batounyo, so, biso toza ba M23, boza ba M23, ok. Bos tiana nou mando ki na sekuna, toza na forum awa, boya na ba makambu na bino nyo so obo, bozako reprocher république oyo. O to lingil susu, to emona na te. C'est par là que ces groupes des armées devront aller exposer leurs problèmes à Koloba. Nous, nous sommes dans ce territoire. Territoire oyo, eza, bino bolobi, biso toza bana na bino, toza boza bandeko na biso. Ok, qu'est-ce que nous voulons pour un nouveau Congo? Comment accéder à la mode d'accession na politique na banani nyoso? Nous en discutons et nous dégageons une solution autolobi. Voici notre voie. Et tous les tribus ba ko signer pacte y a adhésion dans une nation congolaise. Ça ne doit pas être copié comme les autres ont fait, non. Nous devons avoir une manière à nous-mêmes, les Congolais, de résoudre nos problèmes. C'est cette question-là que moi, je suis en train de proposer ici en disant, voilà comment est-ce que nous pensons que ça peut résoudre le problème de l'Est, naba insécurité kuna. Parce qu'au moment-là, à ce moment-là, batouba nakatia ba territoire, ils prendront les choses dans leurs mains. C'est par là que moi j'ai dit, Batouana, Nandenge Bakozala Kuna, ils vont créer des polices de proximité na Batouba Simba Mandoki Balobite. Bon, ok. Pour assurer la sécurité, Bino Batouba Simba Mandoki, après vous avoir identifié, toyebi combien de personnes au Bazako Kenge Labiso. Et ça en la charge de tout ce que nous appelons ces états de lieu de chaque territoire. Ba problématique na chaque territoire et kozala bomo côté ba tumsuba kozala na ba problème na bango oyo bango moko il faut ba trouver solution na yango. Au lieu de commencer à attendre chaque jour que nos solutions ou taka Kinshasa, le peuple doit apprendre à respecter d'abord leurs engagements au niveau de la base. Tango baza ko réaliser ba makamu na bango na niveau ya base. Et kozala pe nzela ya kosala ke tangu batu bako sereniro na niveau ya province na niveau national ba makambu ba banda ko respectaka yango. Mais si nous ne faisons pas cela, moi je ne pense pas et je ne vois pas vraiment comment est-ce que to ko résoudre makambu na kokendaka kosolola na ba M23 na ba groupes armés ba Kodeko jour msuso ko obenga okendo sola na ba Mobondo. C'est vraiment très ridicule. Voilà, mes chers amis, ce que nous avions à dire sur cette rumeur ou peut-être vraie, rumeur vraie, il y a Baala na Katia Kampala, Azako Kende ko représente Tshisekedi na négociation avec le M23. Nous nous sommes dit et qu'on échoué nango, ça ne donnera aucune chose. Et là, comment qu'on bima kunate. Et vous me donnerez raison. Moi, je vous dis, bati poana bako andirsir nani na bango, ba position na bango, de façon que. Vous allez commencer à dire que non, bao bazamite mamabe. C'est parce que vous n'êtes vous autres, vous ne savez pas encore réfléchir comment faire, comment négocier. Voilà. Avant de terminer, je vais vous dire une chose. Ce qui vous a awa, beaucoup s'abonner d'abord. Et puis, c'est à partir du mois d'août, je crois que la première quinzaine à mois d'août, ndetoko bandakoyaka live deux fois par semaine. Bato mususu boza abonné à boza komona, vous êtes en train de voir que nous sommes en train parfois de faire des essais vraiment
ne nous en tenez pas rigueur. Parfois, nous avons besoin de voir comment est-ce que ça va aller. Donc, nous préparons ces émissions live que nous allons commencer à faire. Au lieu de faire les émissions enregistrées, nous allons commencer pratiquement à faire des émissions live. Et par là, nous serons interactifs. Parce que la demande de ce sujet que nous avions mis sur les réseaux est tellement grande. Et beaucoup de gens nous exigent ça, à ce qu'on puisse discuter et que le monde entier puisse nous entendre. Et que moi, nous puissions défendre cette position-là de dire comment nous pouvons faire la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. C'est ainsi que nous nous sommes dit, il faudrait que, même si c'est l'idée était depuis 2019 à venir à live, mais parfois il nous manquait les moyens. Mais vous, les gens de bonne volonté aussi que je remercie, qui voudront à ce que nous puissions taire leur nom, ont mis les moyens pour que tout banda kosala ba émission. C'est comme cela que nous sommes en train de le préparer et que je crois, la première semaine, je crois, il y a mois d'août, toko banda kosala deux fois la semaine pour tozako et même la bino, basango na bino, ba émission na bino bozoling. Merci beaucoup. Donc, nous regardons toujours devant en s'inspirant de notre passé pour corriger le présent. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.